Cette semaine, on fait de la décalade. C'est quoi de la décalade? C'est ça. Je suis présentement au parc de la Gorge à Coaticook sur un des ponts suspendus piétonniers les plus longs au monde. D'ailleurs, ça bouge pas mal et aujourd'hui, bien, je vais jouer à Mission Impossible, m'élancer dans le vide. Luc, est-ce que tu peux me définir exactement c'est quoi la décalade? La décalade, c'est de la descente verticale contrôlée. C'est de la descente de face un peu à la style Mission Impossible. Puis, on le fait avec des gens à partir de 5 ans à la 78 ans. Et de la décalade, on peut faire ça à partir, comme aujourd'hui, d'un pont suspendu, oui. Mais j'en vois aussi en faire sur des façades de bâtiments. On en a beaucoup plus sur des buildings à Montréal, Québec. Montréal, on fait l'hôtel 01, Québec, l'hôtel Pur. Et ici, c'est le pont de Coaticook. C'est quoi de particulier? Aujourd'hui, tu vas tenter le saut de l'ange. Il y a un mécanisme qui va vous freiner. Mais vous allez quand même avoir le réflexe de survie naturelle de serrer la corde à outrance. Il faut relaxer. Travailler le lâcher prise. Là, j'ai pas touché rien. C'est moi qui la tiens. C'est normal? Oui, okay. C'est normal. Ah! On lâche la clôture, Evelyne. Ça va bien. On se penche vers l'avant. C'est dans le bon temps. Réfléchis plus. Vas-y. Bravo, Evelyne. Bravo, bravo. Evelyne, ta position est parfaite. Qu'est-ce qui te reste à faire, c'est amener la main sur la hanche droite et laisser glisser totalement sans la serrer. Ne la serre pas, laisse glisser. Complètement. Laisse glisser, Evelyne. Bravo! Laisse glisser! Continue, 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 laisse glisser! Tu peux tester ton frein maintenant! Quel beau saut! Je viens juste de faire mon premier saut. Je suis contente de l'avoir fait, surtout, mais exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai eu beaucoup de difficultés à partir, mais une fois que j'étais dans le vide, ça a super bien été. J'ai même pris le temps d'apprécier un peu. Seul petit défaut qu'on m'a dit en bas, c'est que j'ai jamais freiné. Je me suis laissée descendre en chute libre jusqu'à la fin, donc c'est mon copain en bas là, qui m'a arrêté. Alors, il va falloir que je pense à freiner pour le deuxième saut. Tu partiras pas tout de suite. Okay. Je te tiens. Fais-y le pouce. Et je suis quand même stressée pour le deuxième. Oui, quand c'est même, normal. Là. C'est normal. Oui. Wouhou! Yeah! Wouh! Celle-là, je l'ai appréciée! Je n'avais aucune idée de ce qu'était la décalade. D'ailleurs, je n'avais pas fait mes devoirs du tout. Je pensais que je m'en venais ici faire du rappel. Alors, les fesses en premier et on descend. Mais je vous jure que le visage, le corps dans le vide vers l'avant, c'est assez stressant, merci. Adrénaline 10 sur 10, ça c'est clair. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Mais je suis très heureuse de l'avoir fait et tout le monde peut en faire.